Le voici, le voilà. Le Bohem Park, vous venez de voir son premier gagnant. Euro, enfin, il en son premier gagnant en Angleterre, parce qu'il a aussi fait un gagnant en Pologne, hein, c'est ça. Élevé par Pierre Crousset ici même, heureusement qu'il était là pour me dire l'info. Et donc Upton Park, lui, a gagné pour Andrew Balding sous les couleurs Qatar Racing. Et donc M Park a fait ses premiers gagnants à 2 ans, alors que c'est un cheval qui essaye beaucoup de juments d'obstacles. Mais pas étonnant, puisque M Park était lui-même un excellent 2 ans. Il a gagné notamment une Listed, un groupe 2, et surtout le Racing Post Trophy, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du Futurity Trophy. Il l'a gagné sur 1600 mètres à 2 ans. Très très bon cheval qui a ensuite fait une belle carrière à 3 ans. Il est tombé sur une très très grande génération de 3 ans. Je crois qu'il y avait Golden Horn, tout ça. Donc c'était pas des peintres. Son père, Phoenix Rich, peu connu, mais il fut un grand compétiteur international qui a gagné par exemple la Dubaï Schema Classic, le Hong Kong Vase, le Canadian International. C'est devenu un étalon qui n'a pas été trop utilisé, mais qui fait encore des gagnants outre-manche en obstacle, on le voit. Et donc M Park, c'est les premiers 3 ans cette année avec de très bons bruits apparemment. Je crois qu'on va nous le confirmer tout à l'heure. Des chevaux qui ont beaucoup de modèles, qui ont plu au concours de modèles et allures. Vous le voyez lui-même, c'est devenu un cheval tout à fait magnifique qui a donc été soutenu par son ancien entraîneur Andrew Balding. Je crois même qu'il en était l'éleveur avec sa mère. Donc voilà, un pur produit Balding qui s'est hissé au plus haut niveau, ce M Park, et qui va entamer donc une nouvelle saison au Haras du Sas au tarif de 2500 euros.